Tu connais la légende locale sur Lord Juarez. Jesus rêvait de le découvrir quand il était petit. C'était la rançon de Montezuma, retenue en otage par Hernando Cortés. Ils l'ont cachée dans les collines près de Juarez. Elle était considérée comme maudite. Je crois pas aux contes de fées. Moi non plus, amigo. Et l'or a disparu. Et mon unique enfant avec lui. Et tu étais censé le protéger. Ah ouais? Et comment j'aurais pu réussir? Toute la police de LA est à la solde de ton salopard de trafiquant d'armes. Duke vient de m'envoyer un message. Regarde. Putain. Duke nous a enfumés tous les deux. Et le flic qui a tué ton fils. Pour qui tu crois qu'il bosse, hein? Il a pris l'or. Il a tout pris. Tu veux que je le retrouve? Pour l'instant, je veux juste enterrer mon fils. Chef, on vient de recevoir un message de Mendoza. C'est possible. Pourquoi? C'était une idée de Guerra. Pourquoi? Parce que l'un des types qu'on a arrêté au club prétend qu'Aranha est au courant. Qu'on leur a dit que si quelqu'un évoquait le cash du cartel, cette personne bosserait pour les flics. Voilà pourquoi Flaco a été refroidi. Pourquoi Guerra aurait lâché le morceau, d'après vous? Parce que Flaco dealait pour lui. Parce qu'on sait qu'il est pourri. Parce que Flaco dealait pour lui. Parce qu'on sait qu'il est pourri. La question, c'est de savoir à quel point et qui est mort à cause de ça. Je pense que vous devriez l'arrêter, McCall. Et Evans aussi. Arrivé là, je ferai confiance à aucun des deux. Vous êtes où, là? Où on est? Au plus profond de la merde, à mon avis. On pourra pas en revenir. Trois jours et toujours pas de feu d'artifice. Je me demande pourquoi ils se sont pas encore égorgés. Ils vont le faire. Prenez une arme. On y va. Vous les comprenez ? Je veux juste m'approcher un peu. On est là pour observer, pas pour entrer dans le tas. Ils sont pour... Putain, il a encore plus de monde du corps qu'Obama. Ils sont sur nous avant qu'on ait fait 100 mètres. Je veux juste voir son visage. Vous voulez rester ici ? Alors restez ici. On y va. C'est Duke. Suivez-moi. Je sais exactement où je vais. Et un point pour la demoiselle. On a besoin de son témoignage pour faire tomber Dixon, Duke et toute cette bande de traîtres. Sans Mendoza, c'est notre parole contre la leur. Et d'après vous, qui le procureur général va écouter? Il nous faut ce fils de pute vivant. Je regardais, et voici,
apparut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une palle avec ton putain de nom inscrit dessus. Bordel ! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Vous le voyez? Par là! On le chope! Le voilà! Ne laissez pas s'échapper! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Ne perdez pas Mendoza!
tout, là, Evan. Tout le monde va bien? Trouvez Mendoza. Où est Mendoza, bordel? Il s'est enfui par là. Coursez-le. Attention! J'ai pas le temps de jouer là! Faut que je raccroche du con, je suis occupé! Putain! Vous voulez pas arrêter de draguer pour nous aider un peu là? C'est pas ça qui le sauvera! Trouvez-le, avant que l'armée de Duke se pointe. Il est parti vers l'église. Chopez ce fils de pute! Attention! Mettez-vous... J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de ce genre. Je suis enfermé là-dedans. Mendoza, si tu veux t'en sortir vivant, tu dois venir avec nous. Maintenant. Va te faire mettre. Ok, alors on arrive. En position. Allez. J'ai fait la peau. À terre. T'es un putain de mort. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Dans la sacristie, c'est barricadé à l'intérieur. Il est à la bourre. Vous entendez ça? Alors on se tire. Au portail. Tirez. Gaffe. Tout droit. Aussi nous en laisser.
Attention, c'est pas fini. Derrière. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repêtera de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Ça, espèce de péteux. Vous l'avez eu. T'en veux encore? C'est ça. Il est cuit. J'imagine que Duke pourra plus témoigner maintenant. Ce qui veut dire qu'on a doublement besoin de Mendoza. Je crois que c'était le dernier. Allons chercher Mendoza. Je préfère crever plutôt que de laisser ce fumier s'en tirer. Le ministère de la Justice a déclaré que leur unité d'intervention spéciale Interagence n'était pas impliquée dans la fusillade ayant éclaté hier dans les ruines d'un ancien fort à la frontière de Juarez, au Mexique.
Toutefois, cette unité d'intervention aide la police fédérale mexicaine dans son enquête. Les responsables locaux se refusent à tout commentaire. Mais des témoins de la scène ont évoqué des dizaines de cadavres, des voitures carbonisées et l'épave d'un semi-remorque immatriculé au Texas. Vérifiez vos armes et munitions avant d'entrer. Ce fils de pute se trouve juste derrière la porte. Allons-y, il faut qu'on bouge. Merde ! À mon signal ! Ils nous attendent. On va pas les décevoir. Maintenant ! Tout le monde à terre. FBI, stop! Les laissez pas s'échapper. Par ici, grouillez-vous. Restez avec eux, faut pas les perdre de vue. Ne tirez pas. Rien de bon, ça c'est certain. T'as fait une grosse erreur, fils de pute. Peu importe, c'est un homme mort. Je vous parlais pas de lui. Ne perdez pas. Putain. Connards s'en tireront pas comme ça. Je m'en bats les couilles. Ou à nous faire tomber dans un putain de piège, surtout. Ces connards s'en tireront pas comme ça. Je m'en bats les couilles. Dans l'immeuble. C'est un piège, y'en a partout. Dans l'immeuble.
Ne laissez pas s'échapper. D'après le GPS, vous êtes en bordure de Juarez. Essayez de piquer le PDA de Mendoza. Ça pourrait vraiment nous servir. Qu'est-ce que vous en dites, McColl? On apprendra tout ce qu'on veut savoir. Où est Alvarez? Vous le voyez? Il n'est pas question de laisser cet enfoiré s'échapper encore une fois. Ben, on s'en fout! Salope! Police! À terre! Policiers! Ils ont bloqué le passage. Je ne suis pas... RAS. Trouvez-le. On doit pas les laisser s'enfuir. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Là, en bas, Mendoza, arrête-toi. Attention, tout droit. Butez-les. Oh putain, à couvert. Derrière. Par là, il est entré dans la cantina. Attention! Butez-les! Tout droit! Hé, ma chérie, montre-toi! Butez-les! Oh, fils de pute! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Je vais te faire la... En position. Tirez,
toi. Hé, hey, abruti. Non. C'était le dernier. Bon sang! Il est là, quelque part! Police! FBI! Elle a une arme! Passez par la droite! Ces enfoirés commencent à me les briser. Sors de ta cachette, salope. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Voilà la voiture, je vois, dans... Je ne suis pas venu apporter la paix. Sans nous, vous seriez à la mort, je vous signale. Tout droit. Je vais
tout droit en enfer. Bienvenue dans la Noble Zone. Mon nom est Roger Howard. Et j'aimerais bien savoir, pour l'amour du putain de ciel, pardonnez mon langage, ce qui se passe à Juarez, au Mexique. Le ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire. Mais j'ai appris que leur unité d'intervention spéciale participe à une fusillade dans un cimetière près de Juarez. Quelqu'un peut-il expliquer aux petits contribuables ce qui se passe? Si l'invasion doit avoir lieu, moi je dis arrêtons de tergiverser et envoyons le 3e régiment de cavalerie armée stationné à Fort Hood. Qu'en dites-vous? Voilà, on y est. Tout comme Butch Cassidy et le Kid. Ils ont pas été tués par l'armée bolivienne? Ouais, mais j'étais pas avec eux, et ils avaient pas nos armes. C'est vrai. Il y a une... Non. Ça change quelque chose? Maintenant! Police, tout le monde à terre! Faites gaffe, grenade! Il est temps que cet enfoiré paie pour ses crimes. Et plein pot. Attention, ils savent qu'on arrive. Mettez-vous à couvert! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus.
J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Attention, à 2 heures. Chopons-les avant qu'ils nous attrapent. On entre à mon signal. Allez! Ne lâchez pas! Où il est? Il joue à cache-cache, ce fumier. Il va pas rester caché éternellement. Allez, montre-toi, sac à merde. Tout droit. Je recule. C'est bon. Mais vous êtes trop putain, McCall. McCall, à gauche. La cour intérieure. Une armée, gars. Il en reste combien? Vous pouvez aussi nous... Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Tout droit, merde. Tuez-les.
Attention. T'es mort, connard. C'est dégagé. Suivez-moi. Passez par la droite. Arrêtez dans la route. T'as emmerdé le mot. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. C'est dégagé. Suivez-moi. Allez ! Attendez mon signal. Maintenant. Oh merde. Police. Minigun. Minigun sur la terrasse. À couvert. Dégommez-moi ce truc. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Il vient pour Mendoza. Faut pas qu'il atterrisse. Faut pas qu'il chope Mendoza. On doit arriver à l'hélico. C'est parti. Il revient. À terre. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de genre.
qu'il a eu sa dose. Personne se barre d'ici maintenant. C'est terminé, Juan. Hey, amigo, tu vois le ciel? Regarde bien. T'as deux façons de t'en tirer. Soit tu viens avec nous et tu craches le morceau, soit on te donne à bouffer par petits bouts au vautour. J'espère qu'il va résister, ça me donnera l'occasion de lui griller le cul. Je résiste pas! Mets-toi à genoux, les mains derrière la nuque. À genoux, fils de pute! Vas-y, c'est le moment de te mettre à table. Dis-moi qui est la taupe au ministère de la Justice. Parce que tu sais, j'ai aucune raison de te laisser en vie. T'as tué mon fils, Gringo. Tu veux le rejoindre? Que tu me tues ou pas, vous crèverez tous la bouche ouverte. On crève tous un jour ou l'autre, quoi. Ouais, ça dépend surtout de la manière, tu vois. Par exemple, moi j'aimerais pas qu'on me tire dans le genou et qu'on me laisse rôtir en plein désert. Les vautours sont pas du genre patient. Ils attendront pas que tu crèves pour t'ouvrir le bide et te déguster les boyaux. Lève un peu les yeux, Juan. Fils de pute! Tous à l'abri! Fais chier! Barrez-vous de là! Dans l'immeuble! Vite, ou vous allez crever! C'était quoi? Une sorte d'avion sans pilote! J'ai déjà vu ça en Irak! Mon cul, ouais, c'est du ressort du gouvernement, ça. Mais qui, alors? Dixon. On peut rien prouver pour l'instant. Elle est totalement intouchable. Notre dernier témoin en a fait les frais, d'ailleurs. Merde! Il y en a un autre qui aurait dû y passer depuis un bon bout de temps. Alvarez. Si on se bouge pas le cul, ce salopard va s'échapper encore une fois. Il est sûrement au garage. Suivez-moi. C'est quoi cette merde avec ce... Faut qu'on se protège sous quelque chose. Vite! Putain de merde! À couvert! Cachez-vous! Vite! Sous le toit! Foncez sous le toit! Bordel de merde! Parez-vous! Maintenant! Tout le monde à l'intérieur ou on va crever! Il faut qu'on se réfugie dans cet immeuble où on est mort. Courez! T'es mort, connard! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus.
Alvarez, où il est? DE1. À droite. À gauche. Chapelet. Par où? On se sépare. Cet enfoiré s'échappera pas. Trois portes, trois flics. Eh ouais, salope. Et j'ai toutes les preuves. Et qu'est-ce que vous avez, McCall? J'ai un enregistrement où Patrick Stone raconte à qui veut l'entendre que vous roulez pour le cartel. En dehors de moi et d'Alvarez, il y a deux agents fédéraux qui soutiendront ce témoignage. L'agent Guerra est un dealer de drogue et il est impliqué dans l'attentat du 4 juillet. Evans a tué un ancien agent du FBI et a certainement manigancé avec le cartel pour faire tuer le seul témoin de l'enquête. Alvarez dirait n'importe quoi pour sauver sa peau. Non, vraiment personne ne vous croira. Alors c'est reparti comme au Vietnam, c'est ça? Pas forcément. Vous avez réussi à démanteler le cartel. Aux yeux de certains, vous êtes un héros. Mais si vous brandissez ces fausses accusations contre moi, les choses vont mal tourner pour vous. Laissez tomber, inspecteur, une fois pour toutes. On bouge plus, sac à chiottes. Je le tiens. Ici. Tu perds ton temps, Ben. J'ai des amis très haut placés. Un seul coup de fil et je suis libre. Pas cette fois, Tony. Tes petits amis n'impressionnent personne. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Putain, arrête, on peut s'arranger. Tu veux quoi? Je veux que tu paies pour toute la souffrance que t'as causée. Ça, c'est pour Jess, espèce d'enfoiré. Je veux voir Dixon et Waters derrière les barreaux. Et pour ça, il me faut ses aveux. Pas question que ce salaud bénéficie d'une immunité, qu'il échappe encore à la justice. C'est fini, ça. Terminé. Il n'en est pas question. Tu sais que je te laisserai pas le tuer. Et pourquoi pas, putain? Il y a un paquet de pognon, là. Assez pour trois parts et personne n'en saura jamais rien. Mais de quoi tu parles, là, bordel? Je parle de tout recommencer, là. De remettre les compteurs à zéro. J'ai des dettes. Et ce pognon, c'est la fin de mes problèmes. Mon Dieu de merde! Hé, hey, ça finira dans les poches de quelqu'un. Il y aura toujours un connard à Washington posé sur son cul pour profiter du système sans se faire griller. Avec un bakchiche comme ça, moi je me tire dans les îles. Et fini les conneries. T'en auras jamais fini, mec! Je t'emmerde, putain! Le FBI a payé tes papiers, du con. En échange, ils ont tout un tas de détails croustillants sur toi, qui pourront te pourrir la vie n'importe quand jusqu'à ta mort. Et qu'est-ce que tu me racontes, toi? Demande-lui! C'est quoi ces conneries? C'est vrai. Comment ça se fait qu'Alvarez soit au courant? Parce que c'est un indic fédéral. C'est notre taupe au sein du cartel. Tu peux pas le tuer, Ben. Tu vois, Eddie? Ils tiennent par les couilles, mon pote. Mais mon offre tient toujours. Vous mentez, putain, vous mentez! Tout le monde ment. Parfois, il faut savoir choisir le moindre mal. Ouais, mais au final,
le mal l'emporte quand même. Pour le restant de nos jours. Tous les trois. Trois par égal. La corruption a, semble-t-il, infiltré les plus hautes branches du ministère de la Justice. Le témoignage d'Alvarez implique directement la directrice adjointe, Shane Dixon. Une commission sénatoriale spéciale étudie en détail les liens entre le ministère de la Justice et le cartel Mendoza. Les membres de la force d'intervention interagence créée par Dixon font tous l'objet d'une enquête. L'agent Edward Guerra de la DEA est suspecté de collaboration avec le cartel Mendoza. Il est accusé de complicité dans le meurtre de Jessica Stone, fille de l'agent du FBI tué lors de l'attentat et seul témoin de l'affaire. L'agent spécial du FBI, Kimberly Evans, est également inculpé pour complicité dans le meurtre de Stone, ainsi que de l'assassinat de l'ancien agent du FBI, Kevin Dunleavy. Le procureur général adjoint a promis sa complète collaboration lors de l'enquête. Globalement, la force d'intervention interagence a été un succès. Le cartel Mendoza a été démantelé et Michael Duke, directeur de Peacekeeper International, a été abattu alors qu'il résistait aux forces de l'ordre. L'ensemble de son organisation était impliqué dans la contrebande et le trafic d'armement militaire. Mais surtout, les tensions entre les États-Unis et le Mexique se sont nettement apaisées. Nous avons fait alliance en travaillant côte à côte dans l'intérêt général. Joe Miguel, LA Times. Certains considèrent ce scandale comme révélateur d'une évidente faiblesse de notre appareil de sécurité. Avez-vous un commentaire à ce sujet? Un pays libre est toujours exposé à de tels dangers. La liberté qui nous protège nous rend également vulnérables. Nous en avons fait l'amère expérience le 11 septembre. Mais notre législation et notre constitution sont la force et le fondement de la démocratie. Grâce au programme de protection des témoins, nous pouvons protéger ceux qui, comme M. Alvarez, osent se dresser contre leurs employeurs. Parce qu'il a eu le courage de réparer ses torts, M. Alvarez aura droit à une seconde chance. N'est-ce pas en cela que réside la grandeur de notre pays ?